Bonjour tout le monde, c'est parti pour un jeudi avec nous. Greg a pas été bien toute la nuit. Je sais pas, il a pas arrêté de vomir, mal à la tête et tout. Donc du coup, ce matin, quand il s'est réveillé à 3h, je lui dis tu vas pas aller au travail, ça va, tu te sens mieux. Et il me dit non, il dit je suis pas bien, il dit je vais aller conduire ton fils et je rentre. Et du coup je lui dis bah tu veux pas que j'y aille parce que voilà, il était vraiment pas bien. Il dit non, c'est bon, je vais y aller puis je rentre. Donc, il a été conduire Angel, il est rentré, là, il dormait dans le canapé. Du coup, je l'ai envoyé se coucher dans le lit, il sera beaucoup mieux. Comme je lui ai dit, à mon avis, une grosse migraine, quoi, en fait. Donc, j'espère que ça va aller mieux. Comme je lui ai dit, je suis pas là ce matin, parce que là, je vais déposer Stacy à 9h. Je vais ensuite faire les courses, ensuite, je dois aller la retrouver à 11h. Je te veux pas en bas, tu dors toute la matinée. Manque de sommeil, peut-être, j'en sais rien. Bon, après, il faut qu'il se repose, quoi, donc... Voilà, alors j'ai fini mes petites routines, là je vais finir, je vais juste donner un petit coup sur le canapé, ensuite je vais monter, je vais aller me maquiller, ranger le linge et aller conduire Stacy. J'ai continué un petit peu à crocheter et j'ai un peu rempli aussi, j'ai commencé à remplir parce que je me suis dit si après je vais serrer, je vais avoir un peu de mal à remplir ses jambes, quoi, en fait. Mais et là, aujourd'hui, je vais essayer de faire son nez. Comme ça, après, je vais pouvoir remplir aussi l'intérieur de sa tête aussi. Je vais essayer de faire son nez, puis ses yeux. Enfin, je vais voir comment je vais faire. Mais ouais, ça commence à ressembler à quelque chose. Ouais, on verra ce que ça donne quand il sera fini. Mais ça va, j'ai pas trop perdu la main. Bon, après, il y a certaines fois où je loupais des mailles, où je me retrouvais avec moins de tours et tout. Donc, je devais un petit peu ruser. Mais ça va. Ça va à peu près. Pour une première depuis X temps. Et en plus, c'est la première fois que je fais un doudou comme ça. C'est comme je vous ai dit, quand j'en faisais, quand j'étais très très jeune, c'était des napperons que je faisais. Donc, rien à voir. C'est un tout petit peu plus... Alors, quoique les napperons, c'est quand même assez... parce que je faisais avec des décors et tout, hein, mais voilà, ça, c'est un tout petit peu plus... plus technique, on va dire. Ouais. Bon, bref. Je vais aller finir. Il est déjà 8h. Stacy ne va pas tarder à descendre. D'habitude, elle commence à 8h le jeudi, et aujourd'hui, elle commence à 9h. Donc, cool. J'ai pu dormir un tout petit peu plus longtemps hier. Ce matin. Aujourd'hui il y a Kim qui vient aussi. Alors on a rendez-vous avec Stacy cet après-midi. Je verrai en fonction de l'état de Greg si je vais tout seul ou pas. Et ensuite Kim avait une réunion avec la maîtresse comme je vous ai dit. Donc elle va nous ramener le petit. Logiquement elle devait passer, mais on verra aussi l'état de Greg si ça va mieux. Parce que si ça va pas, je vais lui dire je vais garder le petit, mais voilà. Allez, je suis en train de regarder mon agenda en même temps. On y va. Je vais aller finir mes poussières. Puis je vais aller. Alors, je vais faire mon petit tour aux courses. Il n'y avait pas grand chose. On voit que j'étais plus tard que d'habitude. D'habitude, Stacy commence à 8h, donc je vais tout de suite à l'ouverture à 8h. Là, elle a commencé à 9h, donc tant que j'arrive, il devait être 9h30, presque de 9h20. Donc, ouais, il y avait un petit peu, je prends un petit peu, mais voilà, il n'y avait pas autant que d'habitude. Et puis, il y avait des choses que j'avais encore au congélateur, donc je voulais pas rajouter la même sorte, quoi, en fait. Là, il y avait encore de la viande hachée. J'en ai repris parce que ça, je trouve qu'on peut faire plein de trucs avec, plein de sortes de repas. Je me suis dit soit un pain de viande ou des boulettes ou quoi, voilà. Alors je vous montre, j'ai repris deux pains. Comme je vous ai dit, en fait c'est beaucoup plus pratique pour moi de les avoir comme ça. Comme là j'en sors la moitié et puis voilà, même si on mange pas tout, enfin il y a deux moments, c'est moi, il y a que moi qui en mange. Là Greg ce matin a mangé un petit morceau, donc il y en a mangé, mais voilà, c'est plus pratique en fait. Après il faudrait que j'essaye de faire mon levain aussi, que je le relance. Ensuite j'ai pris trois morceaux de fromage. Alors je prends les petits morceaux de fromage, c'est ce qui est bien à Intermarché, c'est que les morceaux de fromage sont petits. Vous voyez, c'est des morceaux de 120-150 grammes. Là, bon, là il est un peu plus gros, il est de 100 grammes, mais voilà, 120 grammes. Donc du coup c'est largement suffisant. Il n'y a que Greg qui mange du fromage, et après autrement bah, il devient trop fort, trop coulant et tout, et où il sèche, enfin voilà. Donc du coup
Ça, c'est pour sa semaine. J'ai pris un morceau de brie, un morceau de vieux bruges et un morceau de pavé d'Hervé. Ensuite, j'ai repris des bananes parce que j'ai vu que les bananes les avaient fait tilt. Donc, du coup, j'en ai repris. Et il y avait les kiwis encore en promotion. C'est des kiwis verts et des kiwis jaunes. Et en fait, vous les payez pour 3 euros. Donc, ça fait... un peu plus que 3 euros. Ça revient à 63 centimes le kiwi. Ça fait pas cher par rapport en magasin, quoi, en fait. Surtout les kiwis jeunes qui sont beaucoup plus chers d'habitude. J'ai pris aussi un morceau d'emmental. Ça, c'est pour le râper pour quand on mange des pâtes ou pour mettre sur les gratins. Et au niveau de la viande, j'ai juste pris ça. Donc, j'ai pris des brochettes d'agneau mariné. C'était 3 euros pour 3. Je me suis dit, je vais les mettre au congélateur. C'était même plus que moins 50% parce que... je vais les mettre au congélateur. Je me suis dit, avec une petite semoule et puis un poêle et légumes ou quoi. Nickel. Des steaks, valeur sûre. La viande hachée, valeur sûre. Et il y avait encore le poulet qu'on avait pris la dernière fois. Poulet d'Ardennes, c'est un poulet fermier. Il était à moins 50%. On a mangé ce week-end, il était vraiment très bon. Et là, c'est un poulet au maïs. Voilà, donc c'est pour mettre au congèle. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va le manger, mais voilà. Et ensuite, j'ai pris du filet de poulet au curry pour faire les club sandwich de demain. Ouais. En fait, je vois qu'il est à consommer jusqu'au 15, donc largement le temps, en fait, encore. Donc voilà, hop là, je regardais la date, justement. Donc ça, je vais mettre ça au congélateur, et puis ben, je vais vite déjeuner. Comme je vous ai dit, c'est juste des petites courses d'appoint. Hein. Alors à chaque fois, je précise, mais voilà. Donc ça, ça part au congélateur, je sais, ça va même pas être consommé cette semaine, ça sera peut-être consommé la semaine prochaine. Voilà, c'est juste pour entretenir la viande qui est au congélateur, et ça me permet de faire, enfin d'entretenir, d'alimenter le congélateur et ça me permet d'avoir la viande du coup beaucoup moins chère, voilà, parce que là j'ai tout à moins 50% presque, sauf alors la viande hachée c'était 30% et les burgers c'était 30%, mais voilà, ça me permet d'alimenter le congélateur, d'avoir un roulement, et à chaque fois quand je fais mon menu je prends ce qu'il y a dans le congélateur. Bon, c'est surtout pour avoir de la viande moins chère. Bref, donc ça, je vais mettre au congélateur. Je vais déjeuner, comme je t'ai dit, puis après je vais chez Stacy. Elle finit à 11h. Et cet après-midi, elle a rendez-vous. Logiquement, elle faisait 11h et elle avait un trou à jusque 15h. Mais elle a rendez-vous à 15h30, donc elle ne retournera pas cet après-midi. Voilà. Allez, bien sûr, j'oublie pas de le noter sur Motion, sur ma petite liste. Comme ça, je reste... à jour, je sais ce qu'il y a dans mon congélateur, j'ai pas besoin de fouiller dedans, et je fais en fonction de, donc ça je peux l'enlever, je vais le remettre. Alors, du coup, petit déjeuner de rapide de ce matin, tartine avec du fromage de chèvre frais, un petit verre de kéfir et deux kiwis. Il y a une bouteille de kéfir, je pense que j'en rachèterai. Alors moi j'aime bien, hein, je vous ai dit, hein, j'en faisais maison. Ce qui est, c'est qu'arrive un moment, ben j'ai pu alimenter mes, parce que c'est par période en fait. En fait, quand vous avez des grains comme ça, c'est comme avec le levain ou quoi, c'est un être vivant, il faut le nourrir. Donc plus ou moins, quand vous le nourrissez, vous êtes tout le temps obligé de vous en servir. Donc du coup, bah, arrivé à un moment, vous vous lassez parce que vous êtes tout le temps obligé d'en manger. Alors quand vous êtes tout seul, surtout en manger, ça fait des grosses quantités. Et du coup, à la force, vous limite, voilà. Franchement, ouais, le kéfir de lait, c'est vraiment très très bon. C'est un goût de, comme je vous ai dit, c'est un goût de yaourt, un peu de yaourt à boire. Voilà, mais moi je le bois comme ça, sans sucre, après vous pouvez rajouter un arôme hein, dedans, mais c'est pas très aigre, mais moi ça me dérange pas, vous voyez le yaourt nature, je peux très bien le manger sans sucre, ça me dérange pas le côté aigre en fait du yaourt. Ouais, je me dépêche et puis je vais chercher ma miss. J'ai récupéré ma miss, et là du coup, je vais préparer le repas pour ce midi. Alors ce midi, je fais une poêlée d'orzo avec des épinards, des lardons. De la crème, et au-dessus en fait on mettra un œuf poché pour ceux qui mangent des œufs, parce que Marine ne mange pas d'œufs. Alors je vais prendre ma sauteuse et je vais faire revenir un oignon et une gousaille dans de l'huile d'olive. J'ai mis mon oignon, mon ail dans l'huile d'olive, et je vais rajouter mes petites allumettes. Et je vais faire cuire, dorer tout ça. Il faut vraiment que les
petits lardons deviennent bien dorés. Que ça commence à être bien doré, j'ajoute mon orzo. Alors là, nous on est 5 ce midi à manger. J'ai 450 grammes d'orzo. Je vais le mélanger. En fait, je fais un peu comme un risotto. C'est un peu ça. C'est même tout à fait ça. Hop. Voilà. Je l'enrobe bien. Et ensuite, je vais déglacer avec 125 ml de vin blanc. Alors, si vous ne voulez pas mettre d'alcool, vous passez cette étape. Je vais bien faire bouillir, pratiquement jusqu'à évaporation du vin blanc. Et ensuite, je vais ajouter du bouillon. Évaporé et bu par leurs os, je vais ajouter du bouillon. Alors là, j'ai déjà mis 250, mais je vais en rajouter. On n'aura pas assez jusqu'à ce que leurs os soient cuits en fait. Donc là, je vais en rajouter 2, donc ça fera 750. Bah, à mon avis, non, je vais rajouter 1 litre. Je pense que ça fera ça. Comptez le double. Alors, 1. 3 et 4. Là, je porte à ébullition, je couvre et je laisse cuire jusqu'à ce que mon orzo soit cuit et que l'eau soit pratiquement, enfin le bouillon soit complètement absorbé. En attendant, je vais compter 150 ml de crème ou une brique quoi. Voilà, je vais la mélanger parce que c'est celle de Grand Frais et à chaque fois elle se concentre sur le dessus. C'est de la crème liquide hein, et elle se concentre sur le dessus. Et je vais venir hacher des épinards frais, 4 belles poignées. Je vais en garder pour faire un gris aussi ce week-end. Alors je vais le hacher, je vais juste donner quelques tours un peu dedans. La technique de l'œuf poché au micro-ondes. 4 cuillères à soupe d'eau, une pincée de sel, vous cassez votre œuf, vous les mettez entre 45 et 55 secondes, plus ou moins, et vous avez un œuf poché qui est un petit peu cuit à l'intérieur. Je l'ai un peu trop laissé dans l'eau chaude. Mais voilà. Donc j'ai juste posé l'œuf poché, un petit peu d'oignon nouveau, sel, poivre. Allez, on va vite manger parce qu'après je voudrais m'avancer pour ce soir. On a fini de manger, ben, c'était très bon avec l'œuf poché à l'intérieur. Ça va, il était encore un peu liquide à l'intérieur. Ouais, ça donne un côté crémeux, vous voyez le jaune d'œuf. J'ai tout de suite préparé le repas pour ce soir parce que comme je vous ai dit, là je vais partir, aller au rendez-vous à Stacy. Quand je vais revenir, à mon avis... il sera 4h30 passé et Kim me ramène Noé. Du coup je risque d'être un peu ricrac ce soir. Je me suis dit je préparer tout de suite le repas, comme ça j'aurais plus qu'à lancer la cuisson et c'est tout. Alors ce soir c'est cuisse de dinde avec une sauce aux champignons. Donc j'ai mis les champignons, j'ai mis sel, poivre, huile d'olive, champignons, ail, oignon, du thym,
Et je vais enfourner. Une fois que ça sera cuit, je récupérerai la sauce, je rajouterai du fond de veau. Enfin, la sauce avec les champignons et tout, je rajouterai du fond de veau et puis de la crème pour faire la petite sauce qui va avec. Et avec ça, on va manger une purée de pommes de terre et chou rave. Alors, si vous ne connaissez pas le chou rave, je vous l'ai dit pendant mon retour de course, mais je vous conseille de goûter, c'est vraiment bon. Là, la purée, ça passe un peu inaperçu, parce que vous voyez, c'est un peu la même couleur que la pomme de terre. Là, vous avez un morceau de chou rave, là, un morceau de pomme de terre. Vous l'épluchez un peu comme un navet, vous le coupez en morceaux. Et au niveau du goût, c'est vraiment... C'est pas fort, ça n'a pas un goût de chou. C'est assez... C'est un petit goût de beurre, en fait, j'ai l'impression. Ouais, c'est entre le chou, le navet, mais ça n'a pas le goût fort en fait du navet ou du chou. Donc là, ça passe un peu inaperçu. En fait, on vous sentait qu'il y a quelque chose dans la purée. Mais ouais, ça fait. Ça donne un petit goût de beurre. Ouais, tout simplement. Alors ça en fait c'est un truc que j'avais découvert avec Kitok, qu'on avait découvert avec Kitok, parce que moi le chou rave à chaque fois je le faisais, mais au gratin. Ou sauté ou quoi. Et là. Il y avait une recette avec du chou rave en purée. Et du coup, on avait suivi la recette, on avait testé, on avait trouvé, même les enfants, que c'était très bon. Donc, comme je dis, ça fait une bonne tactique aussi pour faire manger des légumes aux enfants. Donc voilà, et là, j'ai tout préparé, j'ai épluché, je l'ai mis dans l'eau. Comme ça, tout à l'heure, ça va pas se suicider. Et tout à l'heure, j'aurais plus qu'à lancer la cuisson. Donc voilà, le repas pour ce soir est prêt. Du coup, voilà, prêt. Pratiquement. Il y aura juste les cuissons à faire et mixer la purée. Dans à peu près 20 minutes. Je pense que je vais me poser à côté de Greg. Je vais aller continuer mon petit nounours. Allez, faire peut-être une ou deux rangées. Hop. Ça y est, on est rentré. J'étais récupérer Angela en même temps à sa leçon de conduite sur la route. Je lui avais dit, mais écoute, avance, j'espère... J'avais été le déposer juste avant. J'espère pouvoir être là à temps. Mais je l'avais dit au cas où. Donc ça va, il n'y avait pas trop avancé. Parce que c'est que, quoi que là, ça va s'il pleut plus. Mais c'est ça, c'est ce qui pleut. Je vais faire des pancakes. Comme les loulous vont arriver, comme ça, ça leur fera un goûter. Les chouquettes d'hier ratées, tout a été mangé. Donc je pense qu'elles devaient être bonnes quand même. Alors moi je fais des pancakes, mais ils aiment bien en fait les pancakes bien bien épais. Alors du coup il faut séparer les blancs avec des jaunes, des œufs pour pouvoir monter les blancs en neige. Je vous dis combien on a besoin. Donc on a besoin de 4 œufs, 300 ml de lait, 300 g de farine, une cuillère à café de bicarbonate, 50 g de sucre et une pincée de sel. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire un mix sucre et sucre vanillé à l'intérieur. Donc, comme je vous ai dit, d'abord, on sépare les blancs avec des jaunes. Et on monte les blancs en neige bien, bien ferme. J'ai deux petits apprentis, un de chaque côté. On fait coucou à la caméra. Là, coucou la gang, Léo. Coucou. Aïe, on fait quoi? On fait des crêpes. Du coup, j'ai fait sans la caméra parce que je dois avoir les mains partout. Ce que j'ai fait, du coup, j'ai rajouté dans le... J'ai monté mes jaunes avec le sucre. Une fois que c'était bon, j'ai ajouté mes 300 ml de lait. J'ai rajouté les 300 g de farine avec une cuillère à café de bicarbonate. Et ensuite, j'ai mélangé avec mes blancs en neige. Oui, chérie? On a un patin? Oui, on va pouvoir faire cuire. C'est fait maintenant. On va faire cuire? C'est quand on va ça? Oui, on va les faire cuire. On va faire cuire les crêpes. Les pancakes, on les fait cuire? J'ai appelé à la secours. Donc je vous montre. Vous voyez, ça fait vraiment les pancakes très fluffy, très... voilà. Je vais aller donner à mon deuxième gourmand. Ils viennent de repartir avec leurs parents. Léo, il voulait à tout prix prendre une douche à la maison. Et bon, après ça dérange pas, hein, mais bon, il n'y avait pas son pyjama, il n'y avait rien du tout. Donc... Et on va dire en plus quand il y a un truc dans la tête, il a pas ailleurs. Il ressemble à qui? À sa grand-mère. À sa grand-mère ou à son papy? Ouais, à sa grand-mère. C'était sportif, faire les crêpes avec... Il y avait des oeufs qui goûtaient à tout, jusqu'à la farine. Et puis dès qu'il y en avait un, il baille l'autre, il fou. Courage au moment qu'ils ont des enfants rapprochés. C'est sportif, on a plus l'âge.
Bon allez, moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller commencer à monter la vidéo. Ça a encore été une journée bien speed aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai filmé, mais à mon avis, vous avez dû voir des allers-retours entre la maison et puis voilà. Mais bon, il y a des journées comme ça, il y a des journées plus calmes. Et en plus, j'ai l'impression que il y a des journées où j'ai rien, enfin rien entre guillemets, et il y a des jours où tout est combiné le même jour. Rien. Il y a des moments, c'est tout concentré sur le même jour, donc j'ai l'impression de faire que ça. Oui, mais ça c'est. Oui, après c'est pas grave, ça arrive. J'ai dit oui, après c'est pas grave, ça arrive. Greg dit comme il était pas bien aujourd'hui, d'habitude on se partage le travail, mais là. Bon, allez. Montez la vidéo. Oh, j'ai mal aux épaules. On a joué à un cache-cache, j'ai passé l'âge de mettre à quatre pattes en dessous de la table. J'ai commencé à monter la vidéo. On va pouvoir. Et puis là, c'est fini d'être cuit, on va pouvoir manger. Alors, je vous montre. En fait, j'ai juste rajouté un peu de fond de veau et de la crème dans le plat pour faire la sauce aux champignons avec les cuisses de dinde et la purée du coup de chou rave. Et on va manger ça avec une petite salade pour celui qui veut. J'ai continué. Alors, j'ai fini le corps de mon nounours, enfin de mon lapin. J'ai bourré la tête. En fait, je me suis dit que ce serait peut-être plus simple. Au début, je n'allais pas la bourrer tout de suite. Mais je me suis dit que ce sera plus simple de la bourrer. Enfin, de faire le nez bien au centre une fois bourré. Enfin, je ne sais pas si vous... Une fois le lapin soit bien fini. Donc, je ferai ça après. Et en fait, pour le bourrage, Greg avait été me chercher hier un truc de... à action. Un coussin pour prendre ce qu'il y a à l'intérieur, quoi, en fait. Comme c'est un premier et que je savais pas trop si... je me suis dit, je vais pas... Ce que j'ai regardé, ils en vendent sur Amazon, mais c'est des grosses quantités. Et c'était quand même, je pense, une vingtaine d'euros. Là, le coussin, tu l'as payé quoi, 2 euros ? 1,75 € pour être précis. Donc voilà, je vous montre. Alors là, il est fini, j'ai plus qu'à attacher. Demain. On verra ce que ça donne, je le ferai demain. Je pense que là, je suis fatiguée. Et il me reste à mettre ses petites oreilles, fixer ses oreilles. Et à mettre aussi, faire ses bras et sa petite queue aussi. Mais comme je vous ai dit, à mon avis, je ferai ça demain. Bon, allez, on va manger. Moi, je vais vous faire des bisous. Et je vous dis à demain. Je pense qu'on va vite être au lit ce soir. Hein, chérie ? Ouais, bah, ça va un peu mieux. Il y a un tout petit peu mieux. En fait, son mal de tête ne veut pas partir. Alors, je pense que c'est vraiment une grosse migraine qu'il fait. Et Greg, en fait, à chaque fois qu'il fait des migraines, c'est ce qu'on appelle des migraines accompagnées. À chaque fois, il vomit en même temps, quoi. Enfin, en même temps. Enfin, je veux dire, la douleur lui donne des envies de vomir. Enfin, pas des envies parce qu'il vomit vraiment. Et là, cette nuit, il a fait que ça, quoi, en fait. Il y avait la tête qui tournait tout ce matin et tout quand il s'est levé et tout. Mais bon, du coup, il a fait une journée à rien faire. Ça fait du bien, hein, chérie. Ouais, je préférais. Enfin, après, à un moment, il était avec le petit. Hein. Les petits. Ouais. J'avais crié au secours. Je pouvais plus aussi. Mon moment s'est revenu. Bon, allez, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain.